Mercredi 25 mai dernier, Info 83 s'est rendu à la CPAM de Toulon pour assister à la conférence de presse sur les CPTS, Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, et les solutions d'accès aux soins de demain. Nous retrouvons les différents intervenants qui nous en disent plus. Une CPTS, comme son nom l'indique, c'est une communauté professionnelle de territoire de santé, dont l'objectif est de s'organiser ensemble pour apporter une réponse plus adaptée aux besoins de santé sur un territoire. Des médecins viennent à la rencontre de l'ARS et disent « ben voilà, on veut créer une CPTS » et l'ARS va les accompagner dans leur démarche pour définir avec eux le périmètre d'action de la CPTS, c'est-à-dire de territoire sur lequel la CPTS va s'installer parce que ça va bénéficier à des usagers. Et puis après, l'ARS va les accompagner dans le montage administratif du dossier. Et puis on a des financements qu'on va leur accorder effectivement pour faciliter la mise en place de la CPTS. Dans le Var aujourd'hui, nous avons à peu près 20% de notre population qui est atteinte d'une affection de longue durée. On a aussi une population plutôt âgée. Et donc face à cette situation, les besoins de santé de la population évoluent. On est sur des soins au long cours avec des prises en charges qui sont complexes. Et les communautés professionnelles territoriales de santé regroupent des professionnels de différentes disciplines, des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, mais aussi des psychologues, des diététiciens, qui vont partager un projet de santé commun pour mieux prendre en charge les besoins de santé de la population de leur territoire sur le Var. Alors le rôle de l'assurance maladie et de ses équipes, c'est d'accompagner les professionnels qui souhaitent créer une communauté professionnelle territoriale de santé, et puis ensuite de signer avec ces communautés des accords qui vont permettre de dégager des financements qui vont faciliter, favoriser la coordination des soins sur le territoire. Et donc l'assurance maladie aujourd'hui a déjà financé à peu près 1 200 000 euros de soutien aux CPTS de notre territoire. Nous travaillons à faciliter les parcours de soins, quels que soient les soins d'ailleurs, hein, pas que pour les personnes âgées. Nous travaillons à créer des liens aussi entre la ville et l'hôpital, entre les médecins en premier degré, c'est-à-dire les médecins généralistes, et les médecins de second degré, que sont les médecins spécialistes. On met en place des carnets d'adresses, on met en place des communications, on met en place des liens pour pouvoir permettre d'avoir recours plus facilement aux consultations et avoir des rendez-vous. On essaie de faciliter l'accès aux urgences aussi, le retour à domicile après une hospitalisation. On essaye de faire en sorte aussi de faire des entrées directes à l'hôpital sans passer forcément par le service des urgences pour alléger aussi le travail de nos collègues urgentistes. Les 8 CPTS labellisés par l'ARS et ayant signé l'ACI couvrent actuellement les deux tiers de la population varoise.